Radio VL. Radio VL. Paul Duro. Bon, et bien maintenant, monsieur Gonzague, vous avez la parole, gardez-la. C'est l'heure du compte. Rebonsoir. Écoutez, c'est bizarre, mais en ce moment, on ne parle plus que des drones. Des drones. Ah, il y a des drones partout. Eh bien, je viens de trouver une explication. En effet, on peut dire que François Hollande dirige la France comme un drone, autrement dit, comme un engin non piloté. Donc, il y a des drones partout. On en voit qui vérifient la solidité des ponts avant le passage d'un TGV, d'autres qui volent dans les lignes ennemies, et d'autres, enfin, qu'on retrouvera le 25 décembre au pied du sapin sous forme de cadeau de Noël, et qui permettront aux hommes mariés d'aller jouer dans le jardin et de laisser un peu tranquille la dinde. Ou de la surveiller quand elle sortira avec ses copines. Quand vous partez à la neige et que vous sautez dans un wagon qui n'est sans doute pas le vôtre, puisque les agents de la SNCF n'arrêtent pas de siffler, y compris le long des quais, eh bien, au lieu de remonter tout le train avec vos skis aux pieds et avec votre sac à dos au dos, envoyez un drone dans le train et il vous dira où il y a de la place. Avec un peu de chance, vous serez assis en première classe à côté de la petite Nabila. Ah, votre petite Nabila. Ou mieux, à côté de Nicole. Si votre collègue de bureau met des décolletés avantageux. Hola, Bourafon, ça va? Ça va. Au lieu de perdre votre réputation d'honnête homme en laissant plonger votre regard sur cette partie de son anatomie, demandez à votre drone de vous envoyer des images. Si elle est du genre Nabila, tant mieux. Si elle est du genre Nicole, on verra quand elle viendra. Vous savez, je pense que M. Bourafon va se fâcher parce que vous oubliez que l'émission de la semaine dernière... C'est un peu sa fiancée. Il a kiffé. Il a kiffé. Remettez votre mèche en disant ça, M. Gonzague. Ah oui, je croyais que tu parlais de la mèche de Bourafon, mais bon. Oh non, ça... Non. Un pouce sur la tête de Bourafon, c'est un SDF. Hein.